Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes releveurs. Alors, qu'est-ce que c'est des releveurs? Des releveurs, c'est des attelles qui me permettent de tenir mes chevilles à 90 degrés. Il faut savoir que j'ai perdu 80% des muscles des jambes, j'ai récupéré seulement les, ce qui est déjà très bien, les quadriceps, mais j'ai encore un gros déficit au niveau des chevilles, des mollets. Je n'ai plus rien du tout qui fonctionne. Alors, pour compenser tout ça, avec un orthoprothésiste, on a co-développé ces releveurs pour toutes sortes de situations. Ça peut être pour faire du vélo, de la moto, ça peut être pour de la marche longue, de la marche rapide, ça peut être pour aller à la mer, à la piscine. Donc ensemble, on a réussi à développer des choses pour que je puisse m'adapter au quotidien dans toutes sortes de situations, parce qu'évidemment, avec mon handicap et mon objectif qui est de redevenir le plus valide possible, aujourd'hui, comme j'ai pas forcément récupéré plus de muscles, j'essaye de compenser, m'adapter. Et donc ce releveur m'a permis de me remettre debout et marcher avec mes béquilles durant la rééducation et aujourd'hui ça me permet au quotidien de faire toutes sortes de choses. Ça veut dire que je vais mettre tout le poids de mon corps sur cette résistance. Alors plus la résistance va être rigide, plus pour moi ça va être, je dirais, un peu plus compliqué de marcher. Parce que pour marcher, on a besoin d'une cheville qui soit souple, qui puisse dérouler. Mais parfois, dans des situations comme par exemple le vélo, je n'ai pas besoin de dérouler la cheville, donc j'ai des attelles avec une résistance en acier pour vraiment bloquer ma cheville. Ça veut dire que toute ma force du quadriceps va être restituée dans la cheville. A contrario, pour faire par exemple des marches qui sont plus courtes, je dirais plus cool, je vais prendre un releveur qui est ici avec moins de résistance, avec beaucoup plus de flexibilité. Je peux regarder, je peux le plier complètement à la main. Mais ça me permet vraiment de dérouler facilement, marcher sur des petites distances, parce que plus la résistance est forte, moins je vais mettre de force sur mes bras. Ensuite, pour aller dans l'eau, à la piscine par exemple, à la mer surtout, évidemment, je vais prendre des releveurs les plus légers possibles. Alors des releveurs qui sont juste là pour tenir ma cheville à 90 degrés. Mais ça ne va pas me servir vraiment pour m'aider à marcher, mais plutôt là vraiment pour me tenir. On voit qu'ils sont vraiment très 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 souples. Alors ensuite, j'ai développé des releveurs en carbone, voilà, pour essayer d'avoir une restitution plus forte. Donc ça veut dire que pour des marches plus longues, je vais avoir des releveurs qui sont rigides, mais quand même avec une certaine souplesse. Alors par exemple, pour conduire au Dakar, j'ai besoin de releveurs rigides parce que quand je viens taper le frein avec mon pied, étant donné que je n'ai aucune sensibilité, j'ai besoin d'avoir un releveur qui soit vraiment rigide pour restituer toute la force sur le frein. Parce que imaginez que j'appuie sur le frein et que ma cheville se plie, bah, il n'y aura aucune résistance et donc je ne pourrai pas freiner. Pareil pour l'accélérateur. Il faut savoir que ces attelles, ce sont mes jambes, un peu comme vos baskets. Ça vous permet de marcher, bah, moi ça me permet de marcher, ça me permet de faire beaucoup de choses. Et si j'enlève mon attelle, bah je ne peux plus faire grand chose. Je deviens encore plus, je dirais, handicapé, je deviens encore plus en incapacité de marcher. Et on voit bien que voilà, ma cheville tombe sans ce releveur. Et donc pour moi, les porter au quotidien, bah ça me permet de redevenir un peu plus valide, de faire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, voilà, je suis très content d'avoir pu développer tout ça, co-développer avec un orthoprothésiste. On peut mettre toutes sortes de déco hein, pour ces attelles. Donc j'avais fait ici un petit design avec You Exist à l'époque. Donc c'était vraiment l'idée de costumiser, de voir d'abord un design avant de voir des attelles. Parce que c'est vrai que quand je suis en short dans la rue, je peux vous dire que ça attire l'œil de beaucoup de monde. Mais voilà, aujourd'hui, si je peux faire partager cette innovation à d'autres personnes, bah, j'espère que ça pourra les aider. J'espère que ça leur permettra de se remettre debout, de faire toutes sortes d'activités. Thank you.